Salut à tous. Alors, j'ai un message un petit peu particulier aujourd'hui, qui est pas, qui est un message qui peut aider pas mal de gens, et qui est différent de ce que je raconte d'habitude. Je m'explique. Ça va être pour le sujet, c'est le système nerveux, d'accord? Et ça va s'adresser aux gens qui se sentent tendus, nerveux, anxieux, angoissés. Paniquer, donc c'est-à-dire des gens qui peuvent facilement faire des crises de panique ou des crises d'angoisse ou simplement voilà, sentir qu'on est un peu nerveux, au taquet tout le temps, à réagir au quart de tour ou ça peut être aussi. Alors, paradoxalement, un dérèglement du système nerveux peut. D'ailleurs, vous avez vu, je fais plein de gestes, hein. C'est rigolo, c'est comme si c'était pour illustrer un petit peu le propos. Paradoxalement, les gens qui ont le système nerveux déréglé, en fait, peuvent être tout le contraire. C'est-à-dire manquer d'énergie, ne pas réussir à mettre les choses en place, aller au bout des actions. Tout ça peut être cumulé sans pour autant ressentir que la personne, elle est au taquet. D'accord? Mais le taquet est à l'intérieur. C'est-à-dire que quand le système nerveux est complètement déréglé, ou même un petit peu, on a du mal à mener les choses jusqu'au bout, ou à se faire confiance, avoir le sentiment qu'on va y arriver, tout ça. C'est tout le contraire. Pourquoi je parle de ça? Parce que déjà, allez, on pourrait presque tous se mettre dans le panier. Tout le monde devrait faire les exercices pour réguler le système nerveux. L'importance pour moi, elle est que. Alors, déjà, moi, j'ai remis le doigt, enfin, j'ai mis le doigt dessus là pendant les vacances, les grandes vacances, en parlant, en ayant des synchronicités, c'est-à-dire que du coup, j'ai eu des suggestions qui me parlaient de ça de plus en plus, et donc je m'y suis intéressée, et j'ai trouvé que ça faisait un sens dingue. Puisque c'est vrai que moi, à la base, hein, il y a. Depuis très longtemps, donc j'ai fait tout un tas de formations et de stages depuis que je suis jeune maintenant. Et en réflexologie, mon prof Serge Baldi, si tu m'entends, que j'adorais vraiment beaucoup, nous avait expliqué comment ça fonctionne. Donc vous imaginez qu'ici c'est un triangle. Et donc on est là-dedans. Et en fait, quel que soit l'angle d'entrée que vous allez aborder, tout bouge. C'est-à-dire la structure, le biologique et le psychologique. Or, on peut voir depuis déjà pas mal d'années que il y a eu toute une vague. Alors, c'est très bien hein, dans un sens. Enfin, je veux dire, moi, je prône ça, j'adore, je trouve ça très très bien de s'occuper de ça parce que ça a été très très mis de côté pendant très longtemps. Toute une vague qui s'attelle en fait sur l'approche psychologique. Émotionnel pour résoudre tout un tas de maladies, maux, bref, blocages et tout ça. C'est très bien. C'est très très bien. Mais c'est pas que ça, en fait. Et c'est ça qu'on a un petit peu tendance à oublier. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage parce que il y a le corps et puis il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'alimentation, tout le tralala et tout ça. Mais vous pouvez faire des actions corporelles pour que vous ayez aussi les bénéfices de ce que vous faites psychologiquement. Il n'y a rien qui va sans l'autre au final. C'est-à-dire qu'il y a eu des décennies où on imaginait que le psychologique n'avait rien à voir là-dedans, il était complètement laissé de côté. Et puis après, on l'a pris en excès et on pense qu'à ça et on a l'impression qu'on va résoudre tous nos problèmes parce qu'on aura fait le tour psychologiquement. Mais c'est pas que ça. Parce que quelqu'un qui a un système nerveux déréglé parce qu'il a subi de l'anxiété chronique ou des angoisses chroniques ou des choses qui ont fait que cette personne a été dans une forme d'insécurité chronique, voire permanente pour certains, plus ou moins traumatique, eh ben, le système nerveux donc qui va se trouver. Alors, je suis pas du tout spécialiste et je vais vous recommander quelqu'un de très bien pour ça. Qui explique très très bien le fonctionnement au niveau du système nerveux, de l'amygdale, du système d'alarme en fait que l'on a naturellement en soi, et ben va être complètement déréglé. Et il va être en permanence
en train de croire que le danger est immédiat, est fort, est très fort, et du coup va actionner un système de réponse qui fait que votre corps est en permanence en tension, en anxiété, et tatati, et tatata. Ça se traduit par des crises d'angoisse, des crises de panique, de l'anxiété plus, du stress plus. Et donc moi, j'ai trouvé que la personne qui moi m'a parlé, avec qui j'ai eu envie d'aller plus loin, s'appelle Véronique Desnoyers. Elle est canadienne, vit au Brésil, on s'en fout, mais enfin c'est pas. Et cette nana-là, elle a bossé le sujet de fond en comble. C'est hyper carré, c'est vraiment très bien. Il y a des exercices à faire. Elle explique tout. Et vraiment, il y a un truc que je trouve absolument phénoménal, c'est que déjà, ce sont des choses qui, après, vous pouvez faire vous-même, ok? Et donc, vous pouvez réguler. C'est un truc comme une gymnastique, hein, on le fait. Ça devient presque une routine de vie. Et c'est là que vous allez le plus profiter de ce que vous avez travaillé. Émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, hein, ça va très loin, la façon dont on peut travailler, on le sait. Mais c'est-à-dire que si tu travailles un blocage ou une émotion, même la source d'une émotion pendant tout un tas, et tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai pas de résultat, ou bien j'en ai, mais pas tout à fait comme je l'escompterais, ou j'ai l'impression que mon système se remet en alarme, en alerte et tout ça. Eh ben, c'est tout simplement que l'amygdale, elle est pas, elle est encore un peu en mode ça va pas, il y a du danger. C'est ton corps là qui met la réponse, c'est pas ton énergie ou ton esprit ou tout ça. Donc tu peux le rationaliser, tu peux le savoir, ça changera rien. Par contre, tu peux habituer par, tu peux restaurer ton système nerveux. Voilà, on va faire simple. C'est quand même très bien, donc moi je l'ai expérimenté, je trouve ça vraiment très chouette. Ça calme, ça. Enfin bon, on a tous des... On n'est pas tous typés pareil. Voilà, moi j'ai expérimenté les crises d'angoisse, les crises de panique quand j'étais jeune pendant des années, ça a été un calvaire. Dieu merci, grâce à tout un tas de travail que j'ai pu faire sur moi, c'est derrière moi. Il y a des choses qui mettent du temps à machin. Et puis des fois, les stress, les anxiétés peuvent être réactivées par des événements de la vie. Voilà, on ne vit pas au pays des bisounours. Et donc là, j'ai vraiment pu voir, et je sais que ce système nerveux qui date de... Voilà, j'ai l'âge que j'ai quand même, qui date depuis que je suis née, a besoin, bim, tu peux rester là, s'il te plaît, d'être harmonisé, régulé. Donc, pensez-y. Il y a des tonnes de choses comme ça, de ressources qui sont bénéfiques. Je vais vous parler d'autres choses, d'autres outils qui sont chouettes. Et en tous les cas, moi, ça me fait plaisir de vous partager ça. Cette femme, je la trouve vraiment super bien, vraiment, avec ce petit accent québécois. Alors, c'est pas du tout un partenariat. Elle est absolument pas au courant, mais elle est top. Elle est top. Si ça vous parle, je trouve que c'est vraiment très intéressant et abordable pour ceux qui veulent suivre son programme avec tous les outils à l'intérieur pour s'occuper de ça. C'est vraiment kiki, c'est pas du tout les prix stratosphériques qu'on peut voir de nos jours. Donc c'est très très cool. Voilà, moi je vous fais des bisous. C'était une parenthèse. Il avait vraiment envie de venir le coquin. Il fait 35-40! Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, portez-vous bien.